j'aime bien les mettre le plus bas possible. Après j'ai fait toutes sortes de petits bricolages, même des un peu originales en forme. Idem pour la table, si il y a une rotonde qui flasque, on peut lui rendre bien pour lui. C'est le temps de alors là ça rend le son. On revient sur l'accord. Alors, le problème qu'on a trouvé, c'est qu'après la 12e frette, ici, eh ben, ça sonne plus creux que là. Enfin, ça boit très plus léger que le palissandre. Donc la table, ça l'empêche pas de vibrer. Il y en a un qui reste, c'est le palissandre de Madagascar. Tant qu'il en reste, il est pareil parce qu'il reste. The vibrating part of the guitar is here. A lot of sound still trapped in there and don't come out. Tone as well, timbre, we say, flash timbre, color in tone. Yeah? And also the other advantage is that when the player has the guitar like this, he can hear what he's doing. Vous avez les deux côtés du verre, ça se voit. Eh ben, c'est un scientifique qui fait des violons numériques qui a découvert ça, parce que l'avantage, c'est qu'il est très léger et il est extrêmement résolu. When you've got your guitar like this, I don't know if you play with a footstool or not, then you can hear what you're doing. You're in touch with the music, because it's going that way, it's going that way, and you get more volume as well. Il ne va pas y avoir une coupure d'un boîton comme ça. C'est pas du tout un gros atelier de usine. Oui, d'accord. Et je fais tout de A à Z. Adam, mine is a steel string, so. Oh, right. Yeah. Oh, you make steel string? Yes. Have you ever measured the actual increase in volume that you would get over that? Not with electronic elements. Just here. Everybody says, oh yeah, it's better. You can definitely hear it. Definitely. Yeah. So you're trying to get it to resonate outwards instead of along the lines of the bracing. You got it there. Yeah. You got it there a bit, but that's even better too. Yes. Now the bone is exactly located on the central bar, just here. Right. So you give the maximum punch, volume and tone. How much is the... Well, my first price is 2,600 euros because I spent 200,000. So because I'm not known, I live in the country in Dordogne.